Bonsoir à toutes les leaders, bonsoir à toutes les techniciennes qui sont là. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait quelques jours, chaque fois quand il est mardi, à 19h, l'heure du Cameroun, 18h en Côte d'Ivoire, je suis très, très contente, mardi et vendredi, parce que c'est l'heure où tous les leaders, tous les Tibétiens se retrouvent ici pour essayer de partager les idées, essayer de prendre des nouvelles de TBC, essayer de prendre la formation de TBC. Et cette formation se passe au moins minimum 2 fois par semaine. Et souvent, nous avons les petites contraintes qui font en sorte qu'on rate certains jours. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Donc, même si souvent on n'est pas là à cause de certaines situations qui arrivent, c'est tout naturel. Donc, la vie de l'homme ne peut pas être stable tout le temps. Il y a le moment que c'est un peu, ça te brusque un peu là. Donc, souvent ça arrive aussi. Donc, moi-même, je suis humain, je suis comme vous aussi, je ne suis pas un superman. N'est-ce pas? OK. Nous allons aller dans le sujet d'aujourd'hui. Nous allons peut-être 3 sujets principaux. Je pense que tout le monde a suivi les réunions de bouton d'envoi, n'est-ce pas? Tout le monde a suivi les réunions de bouton d'envoi. Il est vraiment important de savoir maintenant que beaucoup de choses sont en train de changer dans la communauté TBC. Si vous avez constaté, comme l'admin avait dit dernièrement, notre blog est déjà dans notre Kring Cache. Donc, si vous allez dans votre compte Kring Cache, vous allez regarder ici. Vous allez venir là où il y a éducation. Et il y a notre blog privé ici, là. Et cette blog privée n'est pas permis. Donc, si vous cliquez ici, c'est là-bas que le blog va s'ouvrir. OK? Là-bas que le blog va s'ouvrir. Et on vous a déjà expliqué pour laquelle, la raison pour laquelle on a décidé de mettre cette blog ici parce que les gens prennent nos informations, ils détournent nos informations à leur faveur. Et on ne va plus leur donner les informations gratuitement. Chaque personne, pour avoir l'information sur le blog, doit être une personne qui est active. OK? On ne veut pas les détourner des informations. On ne le veut plus. Donc, si vous n'êtes pas actif, vous ne pouvez pas être ici. Donc, on ne vous donne plus les informations pour critiquer. Parce que la main dit que même s'il dit quoi, les gens continuent toujours à critiquer. Mieux, ils travaillent avec les gens qui sont actifs, les gens qui sont qui comprennent là où nous sommes en train de partir. Et nous allons construire doucement, nous allons construire avec les gens qui connaissent cette vision. Maintenant, la deuxième chose que je vais vous montrer déjà, c'est que nous avons déjà une support. Si vous cliquez ici, nous avons déjà une support qui vient d'ajouter. Et si vous cliquez sur Helpdesk ici là, cette support est là pour vous aider à écrire dans le compte KringCast. Si vous avez un problème, vous cliquez ici là. Vous cliquez ici comme ça là. Et là, vous pouvez envoyer le. Si vous avez un problème. Vous allez cliquer sur Helpdesk ici, comme ça là. Et après, vous allez choisir, vous allez voir votre nom, l'adresse mail, et vous allez choisir le problème. Est-ce que vous voulez écrire au commissaire? Est-ce que vous voulez écrire, est-ce que vous avez un problème de, on vous a abusé? Est-ce que c'est un problème de fraude, paiement, King Cash Back Office, le wallet, la sécurité? Qu'est-ce que vraiment? Donc, vous allez choisir. Et après avoir choisi, vous allez écrire maintenant ici. Vous allez écrire maintenant ici. Et après, s'il faut envoyer le document, vous allez envoyer le document et après vous allez cliquer sur Submit. N'est-ce pas? Après vous allez cliquer là-bas. Donc, c'est comme ça que ça là est déjà dans votre compte de Kring Cash. Maintenant, l'admin est en train de nous dire qu'ils sont en train de développer un système maintenant où l'équipe de support sera live. Donc, il sera en ligne 24 sur 24. En sorte que même si vous avez un problème, ça ne va plus prendre quelques jours, ça va prendre quelques heures. On va vous répondre. Donc, l'équipe support sera en ligne, en sorte que si tout le monde écrit, si tout le monde a un problème ou les gens ont un problème,
Dès que vous avez envoyé ça, ça vient, on vous répond, on résout votre problème dans quelques heures qui suivent. Donc, c'est là-bas que nous sommes en train de partir maintenant. Et cela est développé pour faciliter les choses. Parce qu'avant, on vous envoie le lien. Avant, on vous envoie le lien. Et quand on vous envoie le lien, vous devez aller cliquer dans votre mail. Bon, il n'y a plus ça. On a minimisé le travail pour vous. Donc, il n'y a plus ça. Ici, c'est dans votre compte Kring Cash. Donc, il faut savoir que notre compte Kring Cash sera comme notre mail. Ça sera comme notre mail des informations. Ça sera comme le panier des informations. Donc, chaque personne qui veut vraiment les vraies informations dans Kring Cash, la personne doit savoir que c'est ici. Il doit être actif. Première chose, la personne doit être active parce que c'est la mer des informations. OK? C'est la mer des informations. Donc, j'appelle tout le monde de savoir que si vous voulez écrire maintenant à Helpdex, il faut écrire à partir de là. OK? À partir d'ici. Donc, maintenant, beaucoup de personnes ont demandé dernièrement que comment est-ce qu'on fait le live broadcast? Comment est-ce qu'on fait le live broadcast? Parce que beaucoup de personnes demandent comment est-ce qu'on fait le live broadcast. Vous savez, YouTube, il faut d'abord avoir une compte YouTube. Je vais vous montrer ça un peu rapidement, OK? Il faut d'abord avoir une compte Gmail. Une compte Gmail, quand c'est actif déjà, ça veut dire que vous pouvez avoir un compte YouTube. N'est-ce pas? Ça veut dire que vous pouvez avoir un compte YouTube. Maintenant, quand vous avez une compte Gmail qui est active, vous pouvez accéder à votre YouTube, OK? Vous pouvez accéder maintenant à votre YouTube, par exemple, www.kringcash.com. Pardon, .youtube.com. Mais vous devez vous assurer que c'est votre compte Gmail ici. Vous devez voir votre nom, votre adresse mail. Maintenant, il faut aussi créer une compte ici. Il faut créer une compte ici, StreamYard.com. Vous allez cliquer pour créer une compte de StreamYard. StreamYard, c'est juste c'est le facilitateur. Donc, si vous créez une compte là-bas, on va vous envoyer une code dans votre compte mail. Donc, disons que quand vous avez déjà créé, vous allez venir ici, créer une compte, get started, comme ça, créer une compte. On vous envoie un code dans votre mail et après avoir vérifié ça, vous allez venir maintenant ici, vous allez mettre votre adresse mail, vous cliquez comme ça. Vous allez mettre ça comme ça, vous cliquez l'adresse mail. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Attendez un peu là, il y a vraiment le mail ici, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Donc, OK. Ah, pardon. Ça, c'est pour créer une compte, s'il vous plaît. On m'a dit que j'ai déjà un compte. Donc, après avoir créé un compte, vous allez entrer. Vous allez entrer ici comme ça, là. Après avoir entré, vous allez mettre votre adresse mail. On va vous envoyer une code. Une code dans votre adresse Yahoo. Et dès qu'on vous envoie cette code, vous allez entrer dans votre compte Yahoo. OK? Vous allez entrer dans votre compte Yahoo. Et voici le code qui est là. Le code est là. Vous allez choisir le code. Voici le code qui est là. Vous allez prendre le code et vous allez venir ici, mettez le code. Et après avoir mis le code, excusez-moi un peu là. Je pense que j'ai quelqu'un là-bas d'ailleurs. Il est surtout inquiet pour voir qu'il est imperméable. Le jardin est comme une grand-mère pour nous. Tu vois, je pense vraiment qu'elle prend enfin conscience. Oui, mais tu sais bien que je ne protège pas ça. Je me demandais ce que le gars voulait dire. Elle t'a entendu en parler plusieurs fois. Je suis vraiment un mauvais. Non,
Ok, nous pouvons continuer. Excusez-moi un peu là. Donc, comme je disais, ok. Comme je disais, je partage encore mon écran. Je partage un peu mon écran. Donc, quand vous avez déjà entré dans StreamYard, vous allez venir ici, cliquer Create a broadcast. Donc, vous voulez faire un broadcast maintenant ici. Après avoir entré dans StreamYard, vous allez cliquer maintenant ici pour faire un broadcast. Vous cliquez, par exemple, ici, créer un broadcast. Par exemple, ça montre YouTube. Vous prenez YouTube, vous mettez ça, le titre de broadcast. Si vous voulez écrire quelque chose, écrivez. Vous voulez que ça soit en public, laissez en public, mais il ne faut pas que ça soit en public. Maintenant, vous allez venir ici, vous allez choisir l'heure. Vous allez choisir l'heure de broadcast. OK? Vous allez choisir l'heure de votre broadcast. Et après, maintenant, la date, les jours, n'est-ce pas? La date et le jour. Vous allez cliquer ici, créer le broadcast. Ça va créer une broadcast maintenant. Donc, voici ça, testing. Voici ça. Maintenant, si vous voulez, si quand le temps arrive, que vous voulez déjà commencer votre broadcast, OK? Si vous voulez aussi inviter les gens, vous cliquez ici comme ça là. On vous donne le lien. Ce lien, c'est pour inviter les gens qui sera votre invité, n'est-ce pas? Ce sera votre invité. Bon, après maintenant, après avoir cliqué là, vous pouvez envoyer ce lien à votre invité. Maintenant, quand le temps arrive que vous voulez commencer le live broadcast, vous cliquez ici là. Ça va ouvrir comme ça. Vous voyez ça? Maintenant, vous allez entrer. Vous allez entrer maintenant. OK? Vous allez entrer maintenant et vous voyez, mais voici. Si vous voulez aller live, vous cliquez maintenant ici. Si vous allez live, vous cliquez maintenant ici. Ça va aller live et le même temps, ça sera sur YouTube. Donc, sur YouTube, si vous venez sur YouTube ici. Information. Donc, si vous allez sur YouTube. On est le deux français. Sur YouTube, vous allez venir ici. OK. Quand tu m'as dit que tu l'avais, je pensais que tu voulais me faire plaisir. Mais non, tu m'as vraiment ramené diamant. Vous allez venir là. Ok, sur YouTube, après avoir cliqué là-bas, vous venez ici. Là où il y a Creator Studio. Vous allez cliquer sur Creator Studio. C'est ici là. Et maintenant, vous allez venir ici. Live streaming. Division, pour diviser en ligne, vous cliquez ici. Ça va montrer événement, vous cliquez sur événement comme ça là. OK. Ça va montrer, événement comme ça là. Maintenant, ça va montrer, vous allez regarder maintenant. Bon, voici ça. Non, ce n'est pas ça. Voici ça maintenant, sur le 28. Voici ça. C'est ce lien sur YouTube. Vous voyez? C'est ce lien sur YouTube que vous allez partager maintenant aux gens pour vous suivre live sur YouTube. Par exemple, si je viens ici, si je clique live, si je clique ici comme ça là, ici là pour aller live, pour aller en direct. Donc, si je clique, je serai en train de parler ici maintenant. Allez, je pars comme ça. Je serai en train de parler maintenant. Là, je suis live. Je suis live ici. Vous avez vu? Et maintenant, je serai maintenant live. Je serai live ici, là. Mais voici live maintenant aussi. Ici, là. Vous avez vu? Donc, je suis live maintenant sur YouTube. C'est le lien que vous partagez. Et le même temps, je suis là. Donc après, si je finis, donc je veux cliquer. Si je finis mon broadcast, je veux cliquer ici comme ça là pour arrêter mon broadcast sur StreamYard. Je clique pour arrêter mon broadcast et le même temps ici. Ouais, non? Je clique ici comme ça. Puis
J'arrête. Mon bocal est fini. Vous voyez, c'est fini. Maintenant, ce lien maintenant, je copie. Ça, c'est le lien de YouTube. Je copie ça. Je viens dans mon compte Kring Cash. OK? Je viens dans mon compte Kring Cash. Je choisis dans mon compte Kring Cash. Je vais choisir ici. Broadcast. Submit broadcast. Donc, je mets ça. Je vais mettre le lien. Je clique là-bas. Je mets le lien ici. Le lien de mon YouTube ici, comme ça là. Je choisis la date. La date commence avec le mois, le jour, l'année. Je mets ça. Je soumets ça. Quand on va approuver, on va me donner le Kringles. On va me donner le Kringles. Il faut savoir que si vous n'êtes pas broadcaster, vous ne pouvez plus avoir un TBC si vous faites des transactions. Donc, c'est un peu ça. Donc, je voulais rapidement juste vous montrer comment faire le live broadcast. Comment faire le live broadcast. Vous allez garder cette vidéo très bien parce que vous allez apprendre, vous allez suivre ça encore et encore et encore. Et là, vous allez comprendre. Donc, ça commence doucement, doucement, et après, vous allez comprendre comment on fait le live broadcast. Je prends d'abord les questions maintenant et on va continuer pour la dernière sujet. Question? Il y a des questions par rapport à ceci? Enlève le micro. Monsieur Richard. Ok, bonsoir, grand leader. Bonsoir à toute la communauté. Bonsoir. Déjà dans la salle. Je tiens à vous féliciter et vous dire merci. Merci pour déjà cette formation pour permettre à ce que tout le monde devienne des broadcasters. Parce que nous autres, aujourd'hui, on a payé assez d'argent pour apprendre à faire des broadcasts. Et aujourd'hui, d'autres ont cette possibilité-là de l'avoir en suivant cette. Et que c'est quelque chose que ceux qui ne sont pas des broadcasters en profitent et apprennent et à maîtriser pour qu'ils fassent en sorte que nous tous ici soyons tous des broadcasters et bénéficions assez de Kringle et avoir des pièces dans notre portefeuille et augmenter aussi. Sûrement dit, c'est un immense plaisir pour les personnes qui viennent d'arriver, qui ne maîtrisent pas et qui bénéficient ça de façon gratuite aujourd'hui. Voilà, donc saisissez l'opportunité et dupliquons tous ensemble. Faisons partager ça pour que ceux qui ne sont pas là présentement puissent en bénéficier et faire autant aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci pour cette contribution, leader. Je prends leader Ouattara. Leader Ouattara, bonsoir. Ouais. Bonsoir, leader. Bonsoir. Bonsoir à tous les leaders qui sont sur le plateau. Merci. Je tiens à vous féliciter pour votre disponibilité d'avoir suivi tous les jours la réunion. Parce que cette réunion nous permet de grandir. On ne l'a juste pas en place, on dit que j'ai passé au moins deux nuits dans l'hôtel. Je suis présentement à Abidjan. Je suis venu passer manger un peu de mes TBC à l'hôtel Royal Bayard Beat. Donc, vraiment, c'est juste un bonsoir. J'ai un petit souci pour le moment avec mon YouTube. Je ne sais pas, l'idée, si vous pouvez m'aider peut-être pour résoudre ces problèmes avant de continuer à faire le live broadcast. Allô? 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 Oui, allô, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. On t'entend très bien.
Ah, ok, ok. J'ai dit pour le moment, moi j'ai un souci avec mon YouTube. Je ne sais pas comment faire vraiment pour régler ces problèmes-là. Ou bien soit je dois créer un nouvel YouTube. Parce que je n'arrive plus à faire des directs, des lives avec. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle version. Voilà. Ok, Dr. Ouattara. Oui. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est une difficulté par rapport à la mise à jour de YouTube? Hein? À les d'auteur. Parce que c'est ça aussi. J'ai dit. Oui. Est-ce que c'est une difficulté rattachée à la mise à jour de YouTube? Oui. Ou bien c'est une difficulté. Et ça coupe là. Allô? Allô? Oui, oui, voilà, je vous entends. Bon, je pense que oui. Ah, il y a un souci de connexion. Uh-huh. Voilà, ce que je suis en train de dire, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, oui. Allez-y, allez-y, je vous entends. Voilà, j'ai dit. Est-ce que ton problème est lié à une violation au droit d'auteur sur YouTube ou à la mise à jour de YouTube? Ah, je n'entends même pas. Et ça coupe, coupe là. Non, je n'entends même pas. Peut-être après, on va se prendre en inbox. Sinon, je n'entends même pas. Allô? Allô, allô, tu m'entends? Oui, 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 hein, allez-y. Et allô, tu m'entends? Oui, bien sûr. Est-ce que ton problème est lié à la violation des droits d'auteur? Droit de? Allô? Allô? Ouais, leader blessing. Leader blessing. Allô, leader blessing. Allô, leader blessing. Bonsoir. Ouais, bonsoir, leader blessing. En fait, le problème se pose, M. Ouattara est commun. En fait, vous savez que pour ceux qui avaient l'habitude de faire les lives, ils ont dû se rendre compte que YouTube a changé les conditions de réalisation de live. Oh. Liées au nombre de spectateurs que vous engrangez en fait. Voilà. Donc quand vous ne remplissez pas cette condition, vous pouvez plus faire de live sur YouTube. Je pense que beaucoup d'entre nous sont victimes de ça. Le nombre de quoi, spectateurs? Oui, le nombre de spectateurs. Le nombre de spectateurs, quand vous réalisez le live, si vous n'avez pas un nombre de spectateurs requis, YouTube ne vous autorise plus à faire le live. Il faut avoir un certain nombre de spectateurs requis. Non, 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 non. Suivez cette vidéo. Monsieur Yao, je viens de montrer comment faire le live. On a changé beaucoup de choses, même plus comme avant. Je viens de démontrer ça ici. Peut-être vous êtes venu pour en retard. Donc, vous devez suivre cette vidéo. Oui, oui, c'est, non, si. Si, j'ai vu. J'ai vu, mais là, tu nous couples à StreamYard. OK, c'est parfait. C'est parfait, c'est ce que moi je vais essayer tout à l'heure. Je vais essayer. Si vous voulez sinon, aller anciennement, ça ne passe pas, ça ne va pas passer. Faites voilà, ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Faites ce que je vous ai montré ici. Je suis d'accord. Tout à fait. Ok, ça marche. Je suis d'accord. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Ok. Voilà. Je suis d'accord. Bon, je vais prendre une autre personne, Monsieur Yao. Il y a encore notre Yao. Oh, oui. Oui, bonsoir, bonsoir leader. Bonsoir. Bonsoir à tous les leaders qui se trouvent donc dans la salle. Un petit coucou aussi à Momo Yao de Tagville. Effectivement, je voulais savoir si avec les smartphones,
on peut toujours continuer de faire les broadcasts. Parce que moi, je suis un broadcaster, mais ça fait un bon moment que je n'arrive plus à faire de broadcasts avec mon smartphone. Renseignement pris, on m'a dit qu'il faut utiliser maintenant un ordinateur. Voilà. Voilà donc ma vous savez qu'il y a les smartphones et les smartphones. Mon smartphone, oui. Je peux faire tout ce que je veux avec mon smartphone. Donc, ça va dépendre de la capacité de votre smartphone et l'efficacité de votre smartphone. Parce qu'avec mon smartphone, ça c'est iPhone, ça c'est iPhone, je fais tout ce que je veux. Mais c'est un smartphone. Ah, ok. J'ai un Infinix S4. Je ne sais pas si. Je ne peux pas déterminer les capacités. Vous pouvez faire, c'est à vous d'essayer. Et si ça ne passe pas, vous allez savoir que votre smartphone n'est pas compatible. Ok, merci. Maintenant, la deuxième préoccupation, ça concerne les réunions avec l'ADMI. Oui. Je voulais bien, évidemment, je suis un broadcaster, je voulais donc bien participer à cette réunion-là. Quelles sont les dispositions que je dois prendre? Il y a un groupe sur Facebook, le groupe des broadcasters, tous ceux qui font le broadcast, qui veulent participer à cette réunion, vous allez me contacter sur Facebook. Je vais vous ajouter dans ce groupe. Chaque mardi, une heure avant la réunion de bouton d'envoi. La réunion de bouton d'envoi, c'est ça. Il sera posté là-bas. OK. OK, donc après, je vais vous contacter. Absolument. Pour que vous puissiez bien m'ajouter. Oui, oui. Voilà donc mes préoccupations. OK, ça merci beaucoup et puis bonne soirée. Merci. Je vais lire quelques questions, quelques réactions dans le chat. Emmanuel dit bonsoir Lidembe, j'ai 4 fioles qui n'ont pas payé en janvier. Ils m'ont donné $25 pour payer le 1er février. Est-ce que je pouvais avoir 30 pièces de TBC? Oui, ils vont avoir 30 pièces de TBC parce que nous n'allons pas encore compléter la phase de 111 000. Mais si d'ici 1er janvier, on complète. Tous ceux qui viennent derrière, ils ne vont pas avoir 30. Mais comme c'est encore ouvert, parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 50 000 personnes qui sont déjà à leur place. Donc, d'ici 1er février, si 111 000 est déjà complète, celui qui vient 112 000, ils ne vont pas avoir cette position. Donc, pour l'instant, d'ici 1er février, tous ceux qui vont payer, renouveler, ils vont toujours avoir leur 30 TBC. Jusqu'à on complète, jusqu'à on cède tout 711 111. Emmanuel, je pense que votre question a été répondue. Monsieur Yannick, Miami dit bonsoir Lidembe. C'est ma première fois de participer en direct et je vous remercie vraiment de votre bienveillance. Grand leader, salut à toutes et à tous dans le forum. Merci beaucoup, leader Yannick. Nous avons aussi Jean Dieudonné qui dit Emmanuel, s'il rentre dans le groupe, oui. L'idée Emmanuel aussi répondait à la question. OK, merci Emmanuel. OK, je ne sais pas, il y a encore une autre préoccupation par rapport à cette formation d'aujourd'hui. Je prends l'idée Jean Dieudonné. L'idée Jean Dieudonné, bonsoir, depuis Burkina Faso. Allô, bonsoir. Bonsoir, grand leader. Bonsoir, leader. Bonsoir à toute la communauté. Bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. Alors, moi, j'avais... merci encore pour ce rendez-vous de ce soir. J'avais deux questions et puis liées au compte Green Cash. Et puis, j'ai une question par rapport au projet de blockchain là. Et vous avez parlé, je pense que la dernière réunion, vous avez parlé de ça un peu. Oui. La première question, quand quelqu'un a une erreur, quelqu'un a fait une erreur dans l'inscription au niveau de son mail, et que, on a continué avec l'erreur jusqu'à créer aussi le TBC 00, le wallet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger? La personne a un problème avec quoi? Son nom? Il n'est pas bien suivi. Allô? Allô? Il n'est pas exact dans le...
Green Cash comme dans le wallet. Allô? Je ne vous ai pas suivi la première question très bien. J'ai dit il y a une erreur c'est-à-dire que il y a une erreur au niveau de du mail depuis le compte Green Cash jusqu'au wallet. Et on a utilisé le mail pour créer un compte et on a créé le Green Cash, on a créé le wallet et après la personne s'était trompée du mail. Là, il y avait des choses à ajouter dans le mail qu'elle n'avait pas mis. Donc, ça veut dire que ce mail-là n'existe pas en réalité. Mm-hmm. Alors qu'on a déjà fait la création, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on puisse mettre le bon mail? Bon, il y a deux possibilités. Oui. Première possibilité, si cette personne n'a pas encore mis beaucoup de downline, il crée un nouveau compte. Première possibilité. Et il va bénéficier maintenant de la promotion qui est en cours. Deuxième possibilité, c'est qu'ils doivent utiliser le vrai mail pour écrire au support pour corriger son compte Kring Cash, le mail de Kring Cash et le mail de Wallet. Mais la première possibilité, c'est que la meilleure, c'est de créer un nouveau compte avec le vrai mail. Là, ça marche. OK. Maintenant, son nom, quand il va vouloir créer son nom, on va lui dire, oups, something went wrong. On va lui dire quelque chose ne va pas. Il peut essayer d'ajouter quelque chose sur son nom ou il change le nom. Si le nom, c'est Jean Dieudonné, il peut mettre Jean, il met GD Dieudonné. Là, ça passe. OK. OK. Mm-hmm. OK. La deuxième question, c'est comment convertir ceux, par exemple, merci, ceux qui reçoivent, par exemple, le Bitcoin Bounty. Oui. Comment transformer ça pour payer directement ses frais d'administration? Bien, oui. Soit pour toi ou soit pour tes downlines, c'est ça, non? Oui, 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 oui. Ah, c'est une très bonne question. Bon, je vais partager mon écran. Hein. Bon, Monsieur Jean Delay demande que comment on peut utiliser notre bounty, notre bonus que nous avons en Bitcoin dans notre compte. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour payer notre frais ou pour renouveler son compte? OK? La première chose, c'est que si votre compte est encore actif, il faut rassurer que votre compte est encore actif. Parce que si ce n'est pas encore actif, vous êtes obligé de payer à partir de votre blockchain. Maintenant, si ce compte est encore actif, vous allez venir ici. Vous allez venir sur Bounty, Bitcoin Bounty. Vous venez ici, vous cliquez ici. Bounty Details. OK? Yes. OK, no problem. Even tomorrow. All right. OK, excusez-moi. Donc, comme je disais, nous allons venir ici, bounty. Disons, moi, j'ai les bounty. Voici mes bounty que j'ai pour aujourd'hui. Il y a deux possibilités. Vous venez ici. Redeem bounty for Kring Cash Monthly Payment. Moi, je ne souhaiterais pas que les gens prennent ici parce que souvent, quand les gens prennent ici, s'il y a beaucoup de bounty ici, ça prend tout le mois. Souvent, ça prend tout le mois. Donc, là où on dit payer ici, ne prends pas ça. Viens ici. Redeem bounty for credit. Cliquez ici. Quand vous cliquez comme ça là, j'ai 8 bounty. Je viens ici comme ça là, je choisis. Par exemple, je prends 4. OK? Je prends 4 pour redeem bounty for credit. Je mets comme ça là, je clique là-bas. Je prends ici comme ça là. OK? Donc, je prends comme ça. J'ai déjà 4 personnes validées. Je viens ici. Maintenant, je viens maintenant ici, accounts. Je rentre sur Bulk Payments. OK? Je viens sur Bulk Payments. Je clique sur Bulk Payments. Et après, maintenant, je viens ici. View Credits. Je clique là-bas. Maintenant, ça va ouvrir le nombre de places à payer. Va s'ouvrir. Ça télécharge. Ça prend un peu du temps pour charger. Vous allez patienter un peu jusqu'à ça. Hein? Bon. Vous allez patienter.
OK. Après, ça va télécharger là. Et dans quelques secondes, ça va venir. Vous avez vu, voilà ça qui est venu. Maintenant, vous allez mettre, vous pouvez payer même pour vous-même. Vous mettez votre adresse mail ici. Vous cliquez ici, c'est déjà payé. Vous mettez l'adresse de votre downline ici. Toute votre adresse mail de votre downline. Oups, attendez un peu. J'ai un petit problème technique ici, là. Bon, c'est pas grave, hein? Attendez. Oh là là. Donc, oh là là. Bon, je viens ici. Je pense que tout le monde m'écoute là. OK. Je viens ici. Je mets l'adresse de downline. OK. L'adresse de mon downline. Je paye. Même mon downline, même pour mon compte, je paye. Même pour le downline de mon downline, je paye. Et c'est instantané. C'est instantané. OK? Donc, toutes les bounties, vous pouvez même acheter ça. J'espère que vous m'entendez. Hein? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on entend, c'est bon. Oui, l'idée, on t'entend parfaitement. Ah, OK, ça marche. Donc, vous pouvez utiliser maintenant pour payer, soit pour vous-même ou soit pour vos downlines. Vous pouvez même acheter ici. Vous pouvez aussi venir même ici, là où il y a Bounty. Venez sur Bulk Payment. Si vous voulez acheter ça beaucoup, si vous avez assez de Bitcoin, vous cliquez là-bas. Vous achetez, par exemple, 10. Si vous n'avez pas l'argent d'acheter beaucoup, ne viens pas ici. C'est pour les gens qui achètent beaucoup. C'est pour ça qu'on a dit Bulk Payment. Bulk, ça veut dire beaucoup. C'est pour ça qu'on a dit Bulk Payment. OK? Donc, si vous n'avez pas l'argent d'acheter beaucoup, mieux, tu achètes 1, 2, 3 à la personne qui a déjà. Donc, si tu mets 10, tu viens ici, tu cliques, tu payes avec le Bitcoin. On va te donner l'adresse Bitcoin et l'adresse de Bitcoin. Et par exemple, si je clique comme ça, je viens ici, voici l'adresse Bitcoin. Je clique, je pars dans mon blockchain, je viens ici comme ça là, je mets l'adresse de Bitcoin. Je mets le Bitcoin, je viens ici, je prends comme ça là, je pars dans mon wallet encore, je mets, ça c'est pour les gens qui vont acheter directement de l'administration. Il met comme ça là, vous voyez, 10, c'est 260 quelque chose de dollars. Je paye une fois, je paye. Ça c'est pour les gens qui vont payer directement le Bulk Payment. Mais ça prend un peu du temps pour valider, ça peut prendre même une heure de temps pour valider, ou souvent 30 minutes, ça dépend de moment. Donc, je vais vous conseiller que, au lieu de souvent acheter, si vous n'avez pas assez, si vous n'avez pas le temps, mieux tu achètes à celui qui a déjà beaucoup. Pour acheter à celui qui a déjà, tu cliques sur View Credit. Quand tu cliques sur View Credit, tu descends ici en bas. Tu peux transférer ton Bulk Pay Credit ou ton Bulk Payment à une personne, à une autre personne qui est active. Vous pouvez transférer ça à une autre personne qui est active. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez ici, là, en bas. Attends, ça télécharge encore. Hein? Patientez un peu, ça va télécharger. Voilà. Vous venez maintenant. Vous mettez l'adresse mail de la personne. Ici, là. OK? Vous mettez l'adresse mail de la personne. Si vous avez acheté, si vous avez envoyé 25 dollars, vous mettez son adresse mail ici. Et vous choisissez un. Comme ça, là. Vous cliquez sur transférer. Le Bulk Payment quitte dans votre compte, ça part dans le compte de la personne. Donc, c'est transférable. Comme les gens ici, ce sont les gens qui ont acheté 1, 2. Vous voyez, voilà l'historique qui montre. Donc, ça veut dire que c'est plus facile de transférer, d'acheter vers celui qui a déjà beaucoup. Mais la seule différence, c'est que l'admin dit que celui qui a déjà acheté, il a gardé, il est déjà cash center. Et vous allez ajouter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est 26 dollars. La personne va prendre 30 dollars minimum parce que lui, c'est une cash center. Il supporte le frais et tout et consort. Lui, c'est un cash center. Donc, vous allez un peu augmenter le frais. N'abusez pas. Mais augmentez un peu de frais. OK? Donc, Monsieur Jean Dieudonné, ça, c'était une question très, très pertinente et éducatif. Je pense que beaucoup de gens étant clairés. Monsieur Jean Dédin, tu es encore là? Merci beaucoup. Allô? Ça se coupe un peu là. Allô?
Oui, allez-y. Attendez. Allô. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'après, je vais bien. D'accord. Je ne sais pas si c'est ma connexion, hein, mais ça se coupe vraiment un peu là, je ne sais pas trop. Allô? Oui. Ma. Moi, j'ai des fioles qui. J'ai des gens qui me demandent si ils ont la possibilité de payer, par exemple, leur. Je n'ai pas suivi votre question. Allô? Monsieur Jean Dédéné, peut-être vous allez écrire votre dernière préoccupation. Ça se coupe vraiment. Mais j'espère que tout le monde m'écoute. J'espère que ce n'est pas ma connexion qui dérange. Non. C'est pas. Ok, ça marche. Je pas ok. Je veux revenir dans le chat. Je veux revenir dans le chat. Monsieur Yao Paul qui dit bonsoir Lidembe. Je veux savoir si à chaque fois que je veux faire une live broadcast, je dois programmer les heures où je programme l'heure du live broadcast une seule fois. Chaque fois que je fais, tu dois programmer, non? Tu dois programmer pour que les gens sachent que tu seras live à cet instant. Monsieur Yannick. Allô. Monsieur Dieudonné, ça s'est coupé un peu là. J'étais un peu coupé. Emien Soura. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Allô? Allez-y. Et merci. Je disais, la question m'a été posée par plusieurs personnes durant la semaine. Ils demandaient, il peut avoir la possibilité pour quelqu'un de payer, par exemple, pour les frais d'administration pour 6 mois, pour 1 an. Donc, je leur ai dit, bon, pour le. Oui, il y a la possibilité de payer, mais je veux conseiller de ne pas payer maintenant. Il faut payer progressivement parce que mieux la personne achète les bons crédits. Il active chaque mois, n'est-ce pas, oui. Pour avoir son 30 TBC. Parce qu'il ne faut pas que la personne dise que j'avais payé, pourquoi je n'ai pas mon 30 TBC là. Donc, la démarche, c'est de payer chaque fin du mois. Donc, tu peux acheter le bulk payment pour 1 an. Chaque fin du mois, tu payes, tu actives ton compte une fois, à partir de ton compte. Mais tu n'utilises pas tout. Tu n'utilises pas tout. Okay. Chaque mois, tu utilises un. Tu n'utilises pas tout. Donc, tu... Ok, ça marche. Pour la dernière question là, c'est concernant le, comment on appelle, la blockchain, le projet de blockchain là. Oui. Zawi a communiqué parce que les gens se posent trop de questions par rapport à la blockchain et tout. Mm-hmm. Donc moi je voudrais, je ne sais pas si c'est une suggestion, mais je voudrais faire une proposition. Compte tenu qu'il y a trop de polémiques, trop de paroles autour de ce projet de blockchain, vous nous avez dit que l'admin dit que c'est cher, c'est des. Donc, moi, je voudrais. On te suit vraiment à peine. Vous allez écrire, leader. Dieu de nous. Allô. Vous allez écrire. Écris dans votre chat. Écris dans notre chat. Après, peut-être, avant qu'on finisse la réunion, on va lire ensemble. Maintenant, quelqu'un dit, Yannick dit que, encore une préoccupation, leader. Je suis d'avis de suivre très, très bien cette live par laquelle vous avez montré comment faire le live. Alors, à quand l'opération depuis nos Kringle Cash Back Office? Comment? Alors, quand vous dites à quand l'opération depuis le Kringle Cash, je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire.
Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Je n'ai pas bien compris. Peut-être Yannick va revenir pour clarifier encore à là où il dit. Alors, à quand l'opération depuis nos Kringakash back office? Donc, vous n'avez pas compris comment mettre ça dans votre compte de Kringakash? Si vous n'avez pas compris, vous allez encore suivre cette vidéo. Vous allez encore suivre cette vidéo parce que je ne peux plus rentrer sur ça. Nous sommes déjà presque à la fin. Donc, il faut encore suivre cette vidéo. L'enregistrement, on va vous montrer. Je vais poster l'enregistrement juste après cette formation. Et tout le monde peut encore regarder, même partager. OK? Monsieur Yannick, j'espère que vous êtes un peu satisfait quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec une autre préoccupation avant que... Il y a une autre préoccupation. Enlève le micro. OK. Avant que nous allons arriver vers peut-être la première préoccupation, je vais vous annoncer quelque chose très rapidement. J'ai commencé à vous annoncer ça. Monsieur Richard, je vais revenir vers vous tout à l'heure. Je suis en train de dire que... Attends, je prends d'abord Richard. Richard, enlève votre micro rapidement. OK. Bonjour, cher leader. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Comment vous allez, cher leader? Très bien. Et vous-même? Oui, je suis très heureux. Je suis très heureux de participer à cette réunion. Voilà. Et j'ai beaucoup de préoccupations. Tout d'abord, j'aimerais savoir, concernant l'identification faciale, comment ça va se passer pour ceux qui ont assez de comptes? Comment ça va se passer avec ces personnes-là? Et pour ceux qui ont fait des comptes au nom de leurs enfants, comment ils peuvent gérer cela? Oui, on a déjà répondu à toutes ces questions ici-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas consistant de notre formation. Parce que je n'aime pas souvent parler des choses et rentrer sur ça. Souvent, j'envoie les gens sur ma chaîne YouTube pour aller écouter. Parce que c'est comme si je suis là seulement pour répéter la même chose chaque jour. On a déjà parlé ici la reconnaissance ou c'est l'identification faciale. Oui, j'ai vu comment ça allait se passer, mais je ne sais pas aller. Comment. Oui. Il faut attendre. J'ai vu un peu comment ça allait se passer, mais c'est pas pour ceux qui ont plusieurs comptes, je ne sais pas. Comment vous n'avez pas droit d'avoir plusieurs comptes. Les enfants sera identifié. Même si c'est un jour, ça sera. Un enfant de un jour sera identifié. Donc, pas de problème, pas de stress. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, ça sera déjà... ils sont en train de tester, comme je vous avais montré. Ils sont en train de finaliser les tests. D'ici la semaine prochaine, on va mettre ça. Au début, ça sera... on va vous donner l'option de identifier ou pas. Donc, pour un début... on ne va pas vous obliger pour un début. Quand tout le monde va comprendre, ça sera obligatoire. Donc, ça ne sera pas obligatoire pour un début. OK? OK, c'est compris. Ça sera une option. OK, merci beaucoup, leader. Mais même un enfant de un jour sera capable d'identifier. Ça ne fait pas pour ça. OK, c'est compris. OK, ça marche. Maintenant, je tiens à vous dire que l'admin encore est en train de nous faire comprendre, leader Jean Dieudonné, concernant le projet. Je vais répondre à M. Jean Dieudonné qui dit que concernant le projet de blockchain de TBC, je suggérais que l'admin soit plus concret à dire les coûts réels de cette blockchain et à la partie de 111 membres, à combien de mois de paiement ce projet est réalisable. Je pense que toute cette question a déjà été répondue. Et moi, je ne voulais pas que vous serez affecté par les polémiques qui sont en train de passer là-bas dehors. L'admin a dit que cette blockchain sera une blockchain vraiment un peu plus développée. En anglais, on dit top tier. Top tier, ça veut dire que ce sera une blockchain qui sera comparée par le premier blockchain que nous avons comme les blockchains de Bitcoin, les blockchains de Ethereum, ça sera une grande, très grande, sophistiquée blockchain. Et ce n'est pas une blockchain qui va prendre seulement 1 million de dollars. Ce n'est pas une blockchain qui va prendre seulement 2 millions de dollars. Mais l'admin a dit que avant que nous allons commencer même, avant qu'ils commencent à regrouper les ingénieurs
Parce qu'elle a dit qu'il ne prend pas les ingénieurs qui ont une expérience très peu. Il prend les ingénieurs qui ont beaucoup d'années de l'expérience dans le blockchain. Et avant qu'il choisisse cet ingénieur, il doit assurer que nous avons minimum 1 million réservé. Donc, ça veut dire que les coûts opérationnels de notre opération maintenant, ils ne comptent pas ça. Parce que l'opération qui se passe chaque mois maintenant, ça coûte énormément d'argent. Mais la mine dit qu'il faut d'abord 1 million de dollars gardés. Avant qu'il faut commencer à parler, nous n'avons pas encore 1 million de dollars en réserve. Et du coup, la mine ne peut pas commencer ce projet. Mais la mine a dit que le moyen qui entre maintenant, il va d'abord sécuriser bien ce que nous avons. Il va sécuriser d'abord bien ce que nous avons maintenant pour donner le temps que le 111 000 personnes, 111, soient complètes pour être capables de payer ses frais d'entretien chaque mois pour avoir suffisamment de moyens pour l'opération de notre blockchain. Maintenant, il faut savoir, parce que M. Jean demande que combien de temps ça va prendre. Il faut savoir que les frais d'entretien de compte doivent continuer jusqu'à quand on va atteindre notre objectif de 1 milliard de personnes. Ça doit continuer. Pourquoi ça doit continuer? Parce qu'il faut savoir que même quand notre blockchain sera mis en place, ce n'est pas dit que tout sera réalisable. Ce n'est pas dit que toutes les grandes institutions du monde vont commencer à accepter TBC. Ce n'est pas ce que l'année en train de dire. Ce n'est pas un événement, mais c'est un progrès. C'est un progrès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blockchain sera capable d'accommoder beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on dit « mass adoption ». Donc, ça sera capable de garder beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on veut une blockchain sophistiquée. Après avoir mis cette blockchain en place, ça va encourager, OK? Ça va encourager maintenant peut-être les institutions de venir. Mais ça ne va pas passer, ça ne va pas venir, ça ne va pas arriver pour une journée. C'est un progrès. Et pour mettre une blockchain qui va accommoder les centaines de millions de transactions par seconde, sans avoir ce qu'on appelle backload. Backload, c'est quand tu fais beaucoup de transactions, ça ne passe pas beaucoup. Donc, vous faites peut-être des milliers de transactions, mais il y a peut-être 100 000 qui passent, qui va passer. C'est parce que cette blockchain n'a pas assez de il n'y a pas assez d'espace pour que les transactions passent vite. Donc, c'est le serveur qu'on met en place. Ça coûte des millions de dollars. Il ne faut pas penser que si on a déjà 111 000 personnes, ça veut dire que nous avons déjà, atteint notre objectif. Non, notre objectif, c'est 1 milliard de dollars. 1 milliard de personnes. C'est notre objectif. Et maintenant, après avoir 111 000, ça veut dire que la mine pouvait avoir minimum 1 million de dollars par mois. Parce que 111 000, 111, ça lui donne 2 millions quelque chose par mois. Mais il faut savoir que l'admin ne prend pas tout. L'admin paye le bounty, 50%. Donc, ça veut dire que l'argent réel qui va entrer, c'est 1 million. C'est 1 million de dollars. Et maintenant, alors, il va utiliser ça pour commencer à construire cette blockchain qui va accommoder beaucoup de personnes. Et quand cette blockchain sera mise en place, ce n'est pas dit que tout va devenir maintenant, même le Bitcoin aujourd'hui, ce n'est pas toutes les institutions qui acceptent le Bitcoin. C'est progressivement. Et pour payer que les choses marchent, on doit toujours payer les frais d'entretien. Même si les grandes institutions viennent, les grandes institutions vont venir pour leurs avantages. Ça va venir pour nous aider. Ça ne va pas venir pour aider l'admin opérer, à faire en sorte que notre opération sera plus facile. Il va venir pour dire que, OK, vous avez une monnaie qui est stable. Parce qu'il faut savoir que quand TBC va atteindre 1 milliard de dollars, ça sera stable. Ça ne va plus grimper, ça ne va pas descendre. Mais l'opération doit continuer. L'opération doit continuer. Les staff doivent continuer à travailler et pour faire en sorte que notre monnaie soit plus favorisée pour toutes les institutions de venir en place. Maintenant, pour vous dire que à partir de 111 000 membres, à combien de mois de paiement ce projet est réalisable?
Maintenant, il ne faut pas, on ne peut pas vous dire que ça sera réalisable pendant 2 mois, pendant 3 mois. L'ami ne dit pas ça maintenant. Mais soyez scotchés. D'ici la fin d'année, nous allons avoir une blockchain. D'ici la fin d'année. Moi, je préfère projeter. Maintenant, il faut aussi savoir que cette blockchain ne vient pas pour résoudre tout notre problème. Il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on soit réaliste et il faut qu'on, parce que ça, c'est TBC, c'est une opération humanitaire, c'est une opération du tout naturelle. Il ne faut pas brusquer. Parce que si on fait la bruscule, il y a les gens qui ont dit qu'on arrête même les bounty pour faire en sorte que l'admin a l'argent pour payer cette blockchain. Non. Qu'est-ce qui va motiver les gens même de travailler s'il n'y a même plus le bounty ici? C'est le bounty ici même qui donne la motivation aux gens même de travailler encore plus. N'est-ce pas? Donc, c'est un phénomène qui est... C'est un progrès. Ce n'est pas un événement. C'est une chose qui va arriver progressivement. OK? Progressivement. Donc, les 111 000, ce sont les personnes qui seront déterminées à faire en sorte que ce projet arrive jusqu'au bout quand nos grandes institutions vont commencer à être opérationnelles. OK? Maintenant, je continue là-bas. Nick, qui dit bonsoir, Grand Lidembe. Merci pour tout ce que vous faites et en matière d'édification par cette formation. Ma question est de savoir, est-ce que quand une personne peut avoir une compte TBC et si un marchand avoir une compte TBC pour son service boutique. Autre question. Bon, je commence d'abord pour la première question. Vous pouvez inscrire comme une marchand même avec votre compte. Même avec votre compte principal, vous pouvez inscrire comme un marchand. Et pour inscrire comme un marchand, il faut juste aller dans votre compte Kring Cash. OK? Je partage mon écran rapidement. Vous venez ici. Vous venez ici comme ça là. Merchant listing. Vous cliquez là-bas, registration, marchand, vous allez voir. Et vous pouvez toujours inscrire comme marchand. OK? Vous allez inscrire ici comme marchand. Je suis derrière marchand, donc vous pouvez inscrire là-bas comme marchand. Et quand on va regarder votre information, quand on regarde votre information, l'admin, vous allez envoyer votre licence de votre affaire, vous allez mettre le pourcentage. Donc, il y a une fiche à remplir ici. Vous allez envoyer votre document. Donc, vous n'avez pas oublié de créer notre compte. Vous pouvez inscrire comme marchand. Ma question est de savoir est-ce qu'une personne peut avoir une compte TBC et si un marchand avoir une compte TBC pour son service public. Ok, autre question. Peut-on ouvrir une compte TBC au nom de l'Église et au nom d'une responsable religieuse? Merci. Je ne sais pas trop, mais il est toujours important de... l'admin veut les humains. L'admin veut, je vous dis la vérité, hein, l'admin veut plus les humains dans cette affaire. Parce que c'est nos visages qui donnent la valeur à cette monnaie. On ne veut pas les objets. On ne veut pas trop les noms de Patali Patala. Ça, c'est une monnaie communautaire. Donc, pourquoi pas utiliser votre compte pour inscrire l'Église? C'est très facile. Pour inscrire, donc, il ne faut pas faire en sorte que les choses vont vous déranger à la fin. OK? Donc, M. Jean-Denis revient encore qui dit... De plus, de suggérer que se concentre sur ces projets et laisser d'abord les ouvres de bienfaisance pour les pauvres et les autres. Après le blockchain, il pourra faire beaucoup plus dans ce sens. Leader Jean Dieudonné, il faut savoir que les bienfaisances, c'est aussi un aspect beaucoup plus marketing. Leader Jean Dieudonné, parce que l'admin est en train de mettre toutes les choses à côté pour faire en sorte que ça ne vient pas d'un côté. Les activités de TBC ne doivent pas seulement centraliser sur des membres. Ça doit il doit avoir un aspect marketing pour faire avancer notre communauté. Imagine un peu, leader Jean Dieudonné, je viens en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de donner le don à 2000 enfants, 2000 personnes une fois. On donne les cadeaux, on sponsorise les enfants. Est-ce que vous pouvez imaginer l'impact que ça peut donner pendant un mois? Est-ce que vous pouvez imaginer combien de personnes qui vont poser des questions que les gens là sont les qui?
Est-ce qu'on fait comment pour devenir leur partenaire? Ainsi de suite. Est-ce que tu connais combien d'organisations qui peuvent venir en place avec des milliers de personnes? Donc, il ne faut pas vraiment qu'on se limite l'admin. C'est le manque de travailler avec ce qu'il... L'admin cherche les portes aussi où ça va aussi jouer l'aspect marketing et l'aspect humanitaire et l'aspect de faire en sorte vraiment que les gens savent notre objectif principal qui est de regarder le pauvre. Parce que je ne pense pas qu'on doit avoir assez beaucoup pour commencer à donner aux pauvres. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est notre mission d'abord. C'est notre mission d'abord, avant la technologie, avant l'argent qui vient derrière, avant quoi que ce soit. Notre mission d'abord, éradiquer la pauvreté et utiliser TBC qui va nous accompagner, montrer l'amour, montrer le respect aux gens. C'est notre mission. Et la mine dit, TBC, c'est une mission avec une monnaie. Ce n'est pas une monnaie avec la mission. Donc, il ne faut pas qu'on limite l'admin. Il ne faut pas vraiment qu'on limite l'admin pour faire le bienfaisance dans les différents pays. Et en plus, il commence en Afrique. L'admin va commencer en Afrique. Et comme je disais dernièrement, peut-être on va commencer avec 4 pays. Ça sera confirmé la semaine prochaine. Et j'ai fait tout pour que on commence avec le Nigeria. Notre grand leader Stephen Kofi avoir un peu du temps, il va aussi venir au Cameroun. Et après le Cameroun, ça sera la Côte d'Ivoire, parce que la mine me demande comment est-ce que nous allons faire pour les autres pays, parce que Stephen Kofi n'a pas assez de temps en Afrique. Je l'ai dit, même quand il va partir, on va continuer. Mais pour la première fois, si il y a les moyens suffisamment, le mois prochain, la mine va envoyer Stephen avec moi au Nigeria, peut-être au Cameroun aussi, si le moyen le permet. Maintenant, nous allons avoir peut-être la Côte d'Ivoire. OK? Avoir la Côte d'Ivoire et après nous allons continuer. Bon, la Côte d'Ivoire mérite. Hein? Moi, je ne manque pas. La Côte d'Ivoire mérite parce qu'il travaille beaucoup. Le Nigeria mérite. Il travaille beaucoup. Le Cameroun mérite. Je ne dis pas que la Burkina Faso, le Bénin, le Togo, les autres pays ne méritent pas. Mais je dis vraiment, en forme de leadership, et peut-être le nombre monte. Si vous allez dans les comptes, dans les différents pays, vous allez voir que la Côte d'Ivoire, le Nigeria, est toujours au top. Mais les autres pays, la mine a dit que les autres pays vont venir toujours après. Donc, ça, il ne va pas limiter pour peut-être 4 pays ou 5 pays. Son souhait, c'est que chaque année, on peut peut-être 10 pays. Peut-être 3 fois par an. 10 pays, 3 fois. Donc, ça fait 30 pays. Donc, on va avoir plus d'informations sur ce sujet la semaine prochaine. OK? Monsieur Yao dit, bonsoir, Lidembe. J'ai pris la réunion en retard, mais je voudrais vous remercier. Merci beaucoup, Yao. Monsieur Nick, il dit, est-ce qu'il est possible d'avoir la transparence sur le nombre de TBC qui sera en circulation au final? C'est 1 milliard. C'est 1 milliard de TBC qui sera en circulation. Et une des comptes sur le nombre de TBC reste sur les comptes d'admin. En décembre, il restait 700 millions. Il y a 300 millions en circulation. Ça, c'est les statistiques de décembre que je connais officiellement. Ensuite, quelqu'un dit, nous progressons dans la phase de distribution. Merci. Nous progressons, monsieur Nick. Comme envoyer un message en privé, je vous lis. Bambos qui dit, bonsoir, leader, concernant l'atteinte de l'objectif de 1 milliard de personnes. Est-ce que vous voyez que ça sera possible d'arriver alors que dans la reconnaissance faciale à venir, il y aura la suppression de comptes orphelins. Toujours, il y a beaucoup de confusion, vraiment. Nous, on veut les vraies personnes dans le CDC. On ne veut pas les gens qui sont fictifs. On ne veut pas le mail fictif. Même si TBC va prendre encore 5 ans pour avoir les vraies personnes, moi, j'ai sacrifié ma vie. Je donne 10 ans à TBC. C'est ce que je sais dans ma tête. Je donne 10 ans à TBC. Je pars en retraite. Et je vis une vie financièrement libre. Je construis peut-être à côté de la plage et je vis la vie de mon rêve. Je donne 10 ans à TBC. Je ne connais pas vous.
Le milliardaire ne programme pas un travail pour un an, pour deux ans, pour trois ans. Le milliardaire, je vous dis la vérité, si vous êtes en train de programmer, vous voulez être milliardaire, vous programmez 10 ans, vous programmez 5 ans, vous êtes en retard, mon ami. Les gens programment même 100 ans, les gens programment 50 ans. Vous voyez aujourd'hui, en Chine, Alibaba a déjà un hôtel qu'il a programmé depuis 10 ans. Cet hôtel, quand tu arrives là-bas, il n'y a pas quelqu'un à la réception. Tu mets seulement ta main sur la machine et la machine vous demande, il vous dit s'il y a l'espace dans la chambre ou pas. Maintenant, il y a un robot qui va venir. Ce robot vous amène dans votre chambre. Il porte votre sac. Il vous montre la documentation de votre sac. Et quand... peut-être, je vais vous montrer si vous voulez, hein, maintenant. Et on vous amène dans votre chambre. Et dans votre chambre, ce robot, si vous voulez quelque chose, vous tapez le robot, ce que vous voulez. Il vous répond. Et après, si vous voulez manger quoi, vous tapez. Le robot va venir ouvrir votre chambre et on vous sert à manger. C'est pour vous dire que les milliardaires ne programment pas 5 ans. Le milliardaire programme 50 ans, 20 ans, minimum 10 ans. Donc, ne venez pas nous déranger qu'il y aura les comptes. Ça, c'est être un peu pessimiste. Il faut être optimiste. Parce qu'on ne veut pas les gens fictifs d'activité. L'admin est catégorique avec ceci. Si vous pensez qu'on aura les suppressions, on n'aura pas les suppressions parce qu'au début, ça ne sera pas obligatoire. Au fur et à mesure que nous allons progresser, ça sera obligatoire. Et parce qu'on veut les gens vrais. Imagine que s'il y a une institution comme Total, il vous dit que avant qu'il fait les affaires avec vous, montrez-nous les statistiques qui montrent que vous êtes sérieux. Vous êtes 1 milliard de personnes sérieuses. Imaginez un peu. Est-ce que la mine va sortir le mail fictif? Est-ce que vous savez que c'est même l'une des réalités pour laquelle même la banque de TBC même n'avait pas vraiment venu tôt comme les gens pensaient? Parce qu'il y avait trop de fictifs comme ça dans le système. On n'a pas les gens vrais. Voilà seulement, on a lancé l'opération de 111 000 personnes. Combien ont payé? Nous sommes encore à 50 000. En réalité, on devait déjà compléter ça. Mais l'ennemi va travailler jusqu'à on a les vrais gens dans TBC. Parce que c'est le vrai Jean qui va donner la valeur à TBC. Quelqu'un dit, je prends encore. Ok, merci. Je prends encore Coucou qui dit, bonsoir leader, est-ce que le TBC va finir un jour dans le portefeuille? Merci. Portefeuille de qui? Si c'est le portefeuille de l'admin, oui. Si c'est votre portefeuille, non. Le TBC est programmé pour 9 générations. Même quand l'admin ne sera pas là, TBC va s'occuper de la génération à venir. Tout ça est programmé. Tout le chemin est en train de tracer. Donc, ne vous en faites pas. Jean Denis dit, cet hôtel vole le travail des gens avec des robots plus tôt. L'État doit fermer ça. Hein? Monsieur Jean Denis, vraiment, mon ami, je vous dis, d'ici 2030, il y a beaucoup de rapports. 800 millions de travail sera perdu. 800 millions de travail sera perdu. Ça sera remplacé par des robots. Ça sera remplacé par les choses que inimaginables. Donc, ça veut dire que l'homme, l'humanité, doit vraiment être forte, doit être financièrement équipé. Parce que votre travail en tant que serveur. Attends, je même l'hôtel si je vous montre. Et avant que j'explique même ce que vous êtes en train de vous expliquer. Parce que quand il parle comme ça, les gens pensent que je joue. Hein. Il ne joue pas. Je fais beaucoup de recherches. Je dors sur Internet. Je connais ce qu'ils sont en train de dire. Attendez un peu. Hein. Je vous montre quelque chose. Alibaba Hotel. Je vous montre quelque chose. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je suis en train de vous dire, plus de 800 millions de travail sera perdu d'ici 2000. Le statistique est déjà là. Ça montre que d'ici peu de temps, voici l'hôtel que je suis en train de vous parler là. Voici l'hôtel là que je suis en train de vous parler. Très joli l'hôtel, n'est-ce pas? Mais si vous regardez très bien,
Quand vous arrivez dans cet hôtel, attendez un peu, je ne sais pas pourquoi. Attendez un peu. Fly Zone Hotel. Donc, attendez un peu. Ça ne sort pas comme je veux ici. Là. Ça, c'est l'hôtel de Ali Baba. Ça, c'est. Nous tous, on connaît cette milliardaire. Nous tous, on le connaît. Donc, c'est un milliardaire qui a programmé cet hôtel. Je pense que Ali Baba, son projet fait plus de 17 années aujourd'hui, l'hôtel d'Ali Baba. Plus de 17 années. Regardez, ça, c'est quelqu'un qui vient à la réception ici. Ça, c'est quelqu'un qui vient à la réception. C'est un robot qui lui accompagne avec son sac. Regardez ici, là. Regardez ici. Vous voyez, il fait le paiement. C'est un robot qui lui accompagne. Donc, regardez ici. Tout ça, tout partout, c'est le robot. Regardez. Vous avez vu? C'est le robot. Donc, c'est pour vous dire, si vous concentrez seulement sur votre travail, si vous êtes serveur aujourd'hui, dans bientôt, on n'aura plus besoin de serveur. Si vous êtes comptable, dans bientôt, on n'aura plus besoin de comptable. Si vous êtes caissier, caissier. Si vous êtes caissier, dans bientôt, on n'aura plus besoin de caissier. Si vous êtes peut-être notaire, dans bientôt, on n'aura plus besoin de vous. Parce que si vous êtes avocat, dans bientôt, on n'aura plus besoin de vous. Parce que toutes les informations, si vous êtes notaire, pardon, dans bientôt, on n'aura plus besoin de vous. Parce que toutes les informations seront gardées dans le blockchain. Regardez. C'est le robot qui sert les gens. C'est le robot qui arrange tout. Tout, c'est la machine. Regardez comment celui-ci parle à le robot. Mais est-ce que ça vous dit quelque chose? Si vous n'avez pas de milliards, quand vous arrivez dans cet hôtel, vous scannez votre visage. Vous scannez votre visage et ça vous dit les codes, ça vous donne votre code et tout est consort à la réception. Donc, je suis en train de vous dire, cher Tibicien, que ce n'est plus la blague. Ce n'est plus l'affaire de blaguer. Vous devez être financièrement équipé pour créer les employés qui seront même plus chers. Si vous n'avez pas assez de TBC amassé maintenant, parce que vous blaguez. Monsieur Ali Baba, il a programmé cet hôtel plus de 10 ans dans sa tête. Et il a travaillé pour ça. Donc, si vous dites que l'État doit arrêter ça, ne nous amène pas derrière, monsieur Dieudonné. S'il vous plaît, on va avancer avec la technologie. Ne nous amène plus derrière. C'est comme si tu veux qu'on part encore commencer à contenter sur le cash. Le cash m'éteint un jar. Si tu m'agresses, tu ne vas jamais voir le cash. Je fais quoi avec? Ça me fait un genre. C'est comme si tu veux qu'on rentre encore derrière. Non, l'État doit plutôt encourager et essayer de remplacer tout ça et essayer d'éduquer des personnes. Donc, nous ne voulons pas que vous nous amène derrière, chers dames, chers messieurs, chers Tibiciens, parce que la technologie a tellement avancé, les gens sont en train d'avancer. Regardez celui-ci. Regardez comment on lui sait. Quand je vous parle, parce que blaguez, ne blaguez pas. Regardez. Il est dans un restaurant. Le robot vient lui servir. Oh là là. C'est là où va le monde. C'est là-bas que le monde est en train de partir. Il n'y a pas les serveurs dans cet hôtel. Il n'y a pas. Et vous pensez que même dormir dans cet hôtel, il te fait aussi l'argent. Vous voyez, le robot vous parle. Donc, vraiment, ce n'est plus l'affaire de blaguer. Ce n'est plus l'affaire de blaguer. La technologie avance. Si vous voulez rester derrière, c'est votre problème. Moi, j'avance avec la technologie. Ne prends pas TBC pour 2-3 ans. Quand je vous suis, c'est comme si vraiment, oh là là, ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Parce que la réflexion, c'est 2 ans. Après le 111, qu'est-ce qui va arriver? Vraiment, il n'y a pas le blockchain. Ah, quand le blockchain va venir, non, ce n'est pas ça. Mettez dans votre tête, vous voulez faire TBC pour 10 ans. Parce que vous voulez transformer le monde. Vous voulez changer le monde. Les gens qui vont transformer le monde, c'est nous. C'est nous qui vont changer le monde. Ce n'est pas les gens qui auront les centaines de millions. C'est les gens qui auront les centaines de milliards. Quand vous voyez cet genre de l'hôtel qui est déjà en existence aujourd'hui, vous pensez que c'est un hôtel de 100 millions de dollars? Vous pensez vraiment? C'est lui qui a construit cet hôtel, c'est le plus riche en Chine. C'est l'homme le plus riche en Chine qui a construit cet hôtel, Monsieur Ali Baba, Jacques Ma. Et c'est lui qui a dit dans un magasin qui s'appelle Axe Femme. Regarde, quand je vous dis quelque chose, je vous donne les statistiques. Je ne parle pas en l'air.
dans ce magasin Axe Femmes, c'est bien un magasin bien reconnu par les États-Unis qui a bien prédicté que nous allons perdre plus de 100, plus de 800 millions de travail sera perdu. Imaginez un peu, si on a 800 millions de travail qui est perdu, l'humanité va faire comment pour remplacer cet espace qui sera créé? Si on n'a pas de moyens suffisamment pour créer d'autres emplois, pour remplacer, qu'est-ce qui va arriver? Les vols, le banditisme, l'agression, tout cet humain, ils vont s'en sortir comment? Donc, pensez, les milliardaires pensent 10 ans, les milliardaires pensent des années à venir. Si vous pensez encore un an, deux ans, vous êtes derrière. Laissez Tim ici, allez faire le champ, allez cultiver le macabo. Macabo, après quelques mois, tu peux manger. Laisse Tim ici tranquille, ce n'est pas pour vous. Allez cultiver les légumes. Les légumes, après trois mois, tu manges. Ce n'est pas pour vous. Si vous pensez qu'après un an, qu'est-ce qui va arriver? Non! Réfléchis que comment on va sauver. Regardez ce qui se passe en Chine aujourd'hui. On parle même quoi? Il y a un virus qui vient de sortir. On appelle ça coronavirus qui vient de sortir. C'est en train de tuer les humains là-bas. Et à cause de moyens, qui n'est pas encore en place, on n'a même pas encore trouvé les antidotes pour cette virus. Les gens sont en train de mourir. C'est le travail des élites qui veut en sorte que les populations du monde doivent diminuer. Les élites sont là pour ça. Leur travail, c'est que nous sommes assez nombreux et ils cherchent tous les moyens pour nous diminuer, pour nous mettre à terre. Parce que pour eux, nous sommes les rats, nous sommes les moustiques, nous sommes comme les... Je ne sais pas. Parce qu'ils veulent avoir un monde de gens un peu petits. Parce qu'ils veulent qu'on continue à être dans leur séchure. Parce qu'ils veulent vraiment être en contrôle de tout. Et quand nous sommes nombreux, quand il va tester un virus, il envoie quelque part. Peut-être il cherche un pays d'Afrique. Boum, il envoie. Après, tu entends, les centaines de millions de personnes sont mortes. Est-ce que vous pensez que c'est le plan de Dieu pour vous? Vous pensez vraiment? Ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Donc, écrivez votre nom dans le cahier de TBC. Et ce n'est pas pour un an. Ce n'est pas pour deux ans. C'est pour ça qu'on dit... La mission de Tib, c'est d'abord, avant le monnaie, avant la technologie. La technologie va venir après. Ça peut même venir, même ça passe. Mais notre amour, qui est? Parce que l'amour, c'est l'une des forces magiques qui dépasse toutes les forces du monde. L'amour. C'est ça qui va nous garder. C'est ça qui va garder notre sérénité. C'est ça qui va faire en sorte que, même si Tib n'existe plus, on aura formé une communauté. Et c'est ça qui va nous faire changer du monde. Ce n'est pas notre technologie. La technologie peut gâter. On peut hacker notre système. On peut faire tout. On peut détruire notre système. Mais notre sérénité, notre amour pour l'homme, c'est ça qui va faire en sorte que TBC devienne la réalité. Ce n'est pas la technologie. La technologie, dans ce contexte, ce n'est pas ça. Je vous ai dit, si vous pensez pour faire TBC pour un an, deux ans, allez cultiver le champ. Allez cultiver les légumes, le macabo, le manioc. Allez. Ce n'est pas pour vous. Donc, ouvrez votre esprit. Ne nous amène pas derrière. On va avancer. OK? Maintenant, je vais prendre quelques peut-être réactions ici. Merci pour vos réponses, Grand Lidembe. OK, merci. Adam a dit, moi, j'ai deux comptes. Et que j'ai créé la façon précipitée avec deux emails différents. Je compte maintenir une compte. Et faire le paiement mensuel de l'administration. J'espère que je veux abandonner, ne me crée pas de problème. Non, ça ne vous crée pas de problème. Situez-moi la façon claire, s'il vous plaît, car j'ai mes soucis. Abandonner un, continuer avec un, pas de soucis. Monsieur Richard dit, leader, le lien pour voir cette vidéo pour cet hôtel. OK, je veux chercher le lien, je vous envoie ici. Je prends le lien là, je vous envoie. Ça peut aussi vous servir pour vos différentes formations. Et éduquer le membre ou le monde, où va le monde, OK? Donc, je prends le... ça ici. Donc, tout le monde peut cliquer sur le lien pour voir cet hôtel. Je veux prendre ça pour motiver le Saint-Thomas. Ah, OK, le Saint-Thomas, merci. Quelqu'un dit coucou, leader, merci beaucoup pour la réponse. OK. Bon, je vais prendre peut-être la dernière personne, nous allons partir. On a assez perdu le temps. C'était vraiment une formation assez édifiante pour les
les informations. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait dire un dernier mot avant que nous allons partir? Et avant que nous allons partir, la Côte d'Ivoire, préparez-vous, on risque d'être là très, très bientôt. Monsieur, je prends Monsieur Kofi Kwasi. Je vois beaucoup de personnes vous parler. Attention, je vous donne 30 secondes. Monsieur Kofi Kwasi. Kofi Kwasi. Allez, votre micro. Ok, ça va, allez-y. Oui. Merci, leader, pour cette formation. Je voudrais intervenir sur votre dernière intervention sur la progression, la technologie et l'amour. Je crois que c'est une bonne chose que l'administration ait initié voilà, cette tournée de dons. Et cela corrobore un peu la mission de TBC. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous et l'administration qui, par ces actions, vont impacter ces pays dans lesquels ces actions vont se poser et ensuite amener beaucoup de gens à chercher à comprendre et qui sait, à vouloir aussi s'inscrire pour être membre de la communauté. Donc, vraiment, c'était une addition que je voudrais vraiment faire et encourager ce système-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Kwasi, pour cette grande contribution. Il y avait encore une autre personne qui voulait dire quelque chose. Enlève le micro, s'il vous plaît. Il y avait quelqu'un là. Un peu rapidement. Bonsoir. Oui, bonsoir, leader. Allez-y. Voilà, ici, leader Blaise. Oui, leader Blaise. En tout cas, je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour la communauté TBC en général et aussi de la communauté TBC francophone. Vous avez dit beaucoup de choses motivant les uns des autres par rapport à notre engagement dans cette communauté. Et moi, je voudrais juste faire un additif, dire encourager les uns les autres. Vous savez, beaucoup de choses se disent autour de nous, dans les forums, par-ci, par-là. Et nous avons une grande vision. Et aujourd'hui, l'administrateur, avec son projet, nous ouvre l'esprit de comprendre qu'il y a une possibilité de vivre dans l'abondance. Donc, comme notre grand leader me l'a dit tout à l'heure, que nous devons penser plus grand, plus loin par rapport au projet, je vais dire à court terme, les projets à moyen terme. TBC, c'est un grand projet, un projet très énorme qui dépasse un peu notre attendement et l'attendement des uns des autres, de tout ce qui nous entoure. Donc, nous ne devons pas tenir compte de tout ce qui se dit autour de nous. Voilà, on veut une blockchain, on veut ceci, cela. Non, l'administrateur est clair dans, je vais dire, le développement de son projet. Nous devons suivre les instructions de l'administrateur. Nous devons être patients sans travailler, mais nous devons être patients dans le travail. Et de comprendre que TBC est au-delà de la technologie. Parce qu'ici, le credo, c'est amour et respect. Comment faire pour développer cette attitude qui est naturel? C'est ce que l'administrateur de TBC veut nous amener à comprendre. On met de côté, on met de côté la monnaie, mais on essaie de développer cette attitude qui est l'amour et le respect. Si aujourd'hui, dans le monde entier, il y a l'amour et le respect, je pense qu'il n'y aura plus de guerre. Voilà un peu ce que nous devons comprendre. Et nous devons être patients dans le travail. Et je pense que le reste va venir. Suivant les instructions de l'admin, pensons plus loin, pensons à un monde meilleur. Un monde meilleur pour nous et pour nos enfants, nos progénitures. Voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, merci, grand leader, pour tout ce que tu fais pour nous. Vraiment, Dieu seul sera vous récompensé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Blessing. Merci. Nous allons lire la dernière note de Jean Dédéné et après nous allons partir. Monsieur Jean Dédéné dit merci bien pour ces éléments de réponse et je suis bien d'accord que les milliardaires font les projets pour 20 ans et plus. Voilà, Monsieur Jean Denis vient d'être d'accord avec nous. Pendant ce temps, les personnes moyennes pensent de jour en jour. Voilà. Donc, vous voyez que si quelqu'un pose une question, il faut juste prendre le temps et je vous donne ça comme un exemple de leader. Si quelqu'un vous pose une question, prends le temps pour expliquer à cette personne. N'est-ce pas? Parce que tous ces éléments que les gens posent ici, c'est les questions que vous avez. Vous avez... les gens vous posent aussi derrière et ça vous dérange. Je sais que si les gens vous dérangent, vous allez aussi me déranger. Et si je ne vous donne pas votre réponse, si vous n'êtes pas satisfait, nous allons apporter ça en haut. Mais il faut savoir que nous sommes tellement occupés. Et moi, je veux vous occuper. Moi, je veux vous occuper
pour que vous allez devenir très forte pour répondre à toutes les questions concernant TBC. N'est-ce pas? Donc, on va aller progressivement, et chacun va comprendre. Donc, la seule élément que nous disons, c'est que même quand vous avez les choses que ça vous dérange, posez les questions avec l'amour, posez les questions avec le respect, posez les questions pédagogiques, parce qu'il y a les gens qui posent les questions provocatives. Et quand les questions sont provocatives, ça ne donne même pas l'envie. Je suis humain, les gens sont humains. Ça ne donne même pas l'envie de répondre. Mais quand vous posez votre question, même si c'est pertinent, mais pédagogique, avec beaucoup d'amour, ça me donne l'envie de chercher des réponses. Et si les réponses ne vous satisfaient pas, on va prendre ça en haut de l'admin. Parce que vous ne pouvez pas avoir accès à l'admin tout le temps, mais je peux avoir accès de l'admin plus que vous. Donc, si ça me dépasse, je dis que non. On va apporter ça sur la table de l'admin. Et quand les réponses, si nécessaire, sera données, je vais aussi vous transmettre ça. Donc, chers Tibétiens, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous tous les mardis et vendredis, quand il est 19h, 18h GMT. Je pense que de temps en temps, nous allons toujours se retrouver ici, si peut à Dieu. Nous allons beaucoup à faire. Restez toujours scotchés, restez positifs. Partagez ce lien quand ça sera posté. N'oublie pas de souscrire sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de devenir leader que vous êtes déjà. N'oublie pas de dupliquer parce que moi, je vais avoir beaucoup de mails. Je ne veux pas que ce soit seulement 40 personnes. Je veux des centaines de personnes ici. Dupliquez ce que nous sommes en train de faire. Dupliquez les informations. Soyez plus fort. Vous êtes dans un bon endroit. L'admin vous aime et moi-même, je vous aime. Bonne soirée à vous. Merci. Ok. Merci.